il faut être stressé. Et puis c'est important d'être stressé parce que quand t'as mis 2 ans de travail dedans, et que t'y as mis des nuits, des jours, tout le plaisir et toute l'envie que t'avais dedans, il y a un moment où t'es obligé d'être stressé. Même si j'aime pas ce stress parce qu'il me fait mal, au final je dors moins bien. Tu vois, il y a plein de. Je le vis pas super bien ce stress, mais j'ai besoin de ça. Sinon, ça voudrait dire que je m'en fous. Et si je m'en fous, il serait, je pense, temps que j'arrête. Mais c'est ça, mais en fait, c'est justement, c'est pour ça que c'était thérapie, c'est que j'avais oublié cette partie de moi. Tu sais, j'aime bien, dans le dernier album, j'ai été trop politiquement correct pour moi. C'est-à-dire qu'il me plaît, hein, mais c'est qu'une partie de moi. Celui-ci, j'ai tout mis. C'est-à-dire que j'aime toujours parler de sexe dans mes titres parce que je trouve ça politiquement incorrect et que ça m'amuse, moi, personnellement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où... oui, c'est vulgaire, mais c'est pour être drôle, si tu veux. Je trouve ça marrant. Et puis... Si tu veux, juste derrière pour désamorcer, je fais quand même une chanson où je parle du harcèlement des femmes. C'est pas parce que je chante des chansons de cul que je suis pour le harcèlement des femmes, si tu veux. C'est-à-dire que c'est deux choses totalement différentes. Et j'aime bien ce côté triste, ce côté festif, ce côté un peu borderline. Non mais si je comprends parce que c'est exactement ce que j'ai voulu faire, c'est marrant que tu l'aies entendu. C'est juste que je pensais pas que ça serait aussi visible que ça. Oui, effectivement, la perte de ma grand-mère, et le temps que j'ai pas passé avec elle m'a rappelé aussi que j'avais une mère que je voyais pas souvent non plus, parce que malheureusement dans mon métier j'habite toujours à Rouen, mais je suis tout le temps ballotté à droite à gauche, et puis je suis quelqu'un qui se fatigue très vite parce que ça demande beaucoup d'énergie, si tu veux, et c'est vrai que je vois pas assez ma mère, je pense, bah, elle me le rappelle suffisamment souvent. Et après, dans le titre, je voulais aussi faire un mea culpa de l'ado que j'ai été, parce qu'on est tous différents ados. Moi, j'ai pas été l'ado le plus sympa du monde. Donc c'était aussi ce morceau-là. Mais c'est bien que tu l'aies vu, ça me fait plaisir, vraiment. Bah, ni une confiance, ni une pression. En vrai, ça me rajoute ni une confiance, ni une pression, c'est plus un plaisir. Ça veut dire que j'y vais plus détendre parce que je suis à la maison. Je connais pas tous les Rouennais, même si t'habites à Rouen, tu connais pas tous les Rouennais, mais ça, l'attention me touche. C'est-à-dire que le fait que les gens soient venus, parce que c'est à Rouen, d'avoir réussi à faire venir Coé Énergie à Rouen, c'est un plaisir perso. Que ça se passe au Sceau, c'est un plaisir perso aussi, parce que le patron est un ami. Donc il y a tout plein d'étoiles qui s'alignent en même temps, tu vois, donc j'ai moins de pression, mais je suis pas en détente non plus.